Par ses fenêtres, au-delà des arbres, ce propriétaire se prépare à observer des turbines de 180 mètres de haut. La préfecture de région vient d'autoriser leur construction, soit une pollution visuelle inacceptable pour ce gérant de chambre d'hôte. Pour moi, c'est une vue gâchée, oui. Une vallée gâchée surtout. Quand vous mettez 60 éoliennes sur 15 km de long, à 180 mètres de hauteur, on n'est plus en campagne, on se retrouve dans des zones industrielles avec des clignotements partout. C'est gâché. Pour assurer la future transition énergétique, la préfecture de région a délivré le permis de construire pour 17 aérogénérateurs à Saint-Seine-sur-Vingeanne. Mais dans ce village, comme dans le reste de la Côte d'Or, des riverains s'y opposent, dénoncent des nuisances et remettent en cause l'intérêt de ces éoliennes, jugées coûteuses et inutiles, dans une région où ils estiment manquer de vent. 63 éoliennes dans un cercle de 12 km de rayon, hein, dans la vallée de la Vingeanne, la vallée de la Vingeanne, elle n'existe plus. Pour moi, la vallée de la Vingeanne, c'est une marque. C'est, vous savez, le lait pur de la Vingeanne, tout le monde connaît ça. Eh bien, ça va devenir la vallée des éoliennes, voilà. Les opposants aux éoliennes en Côte d'Or invoquent un patrimoine unique. Ils manifesteront dans les rues de Dijon le 24 avril pour une suspension du projet.